voilà, diverses choses un peu violentes. Et en fait, on est sorti du plus vite qu'on pouvait. Moi, j'ai une balle qui a ricoché sur le bras. Et voilà, et après, on a couru. Et, enfin, on a, bah, moi, personnellement, j'ai pas vu grand-chose. Donc voilà, je sais juste que j'ai essayé de sortir le plus rapidement possible de cet enfer. Et voilà. J'ai entendu des coups de feu, c'est tout. Des cris des gens et voilà, faut sortir au plus vite. Pas grand chose. Vous êtes resté enfermé un peu de temps? Ah non non, pas du tout, moi j'ai fait partie de ceux qui ont réussi à sortir très très vite. C'est-à-dire que en 10 minutes, 10-15 minutes après les premiers coups de feu, moi j'étais dehors. Parce qu'en fait il y a une porte qui s'est ouverte, et les sous-coups ont été ouverts à côté de la scène. Et on a réussi à courir, enfin à ramper jusqu'à côté de... Vous avez rampé? Ouais, on a rampé, enfin tout le monde rampait, se marchait dessus, enfin, c'était un peu... c'était chaotique, c'était cauchemar là, c'est vrai. T'as attiré la cage? Ouais, c'est, je sais pas si c'est... j'y connais rien en armes, j'ai entendu un coup de feu, j'ai entendu du bruit, des grosses détonations. Apparemment il y a une bombe qui a explosé, moi j'étais déjà parti, et voilà, après je me suis retrouvé dans la rue, j'ai couru le plus possible, le plus loin, et puis... voilà quoi.